Yo les potos, c'est YoMax, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo simple, un club tour. C'est un truc qu'on me réclame souvent, mais surtout, je le fais maintenant pour sortir une petite vidéo, surtout pour vous annoncer que ce soir, gros live, 24h, donc même demain, un gros live, on sera toujours en live de tonnerre de ce soir à demain. Je vais vous expliquer tout ça, et voilà, tout le monde me demande de faire un petit tour de mon club, je vais vous le montrer. Tout simplement, comme ça ensuite je vais pouvoir vendre tous les joueurs qui vont me servir à rien parce qu'il y a plein de tots. Honnêtement, il y en a qui vont me servir, je vais pas tous les vendre, mais les petits tots comme ça à 83, je les ai tous gardés en premier détenteur, mais ils vont me servir à rien. Autant les vendre tout de suite vu que ça y est, la tots y est et dans les packs. Donc tous les meilleurs joueurs, vous les voyez là actuellement, j'espère que ça va les montrer. Voilà, ça les montre, ils sont tous dans les packs. Donc cette semaine et notamment dans le live de 24h, on va packer à la mort. Donc il nous faut de la liquidité, donc je vais vendre plein de tots. Donc je voulais, avant de vendre tout ça, vous montrer tout ce que j'ai packé durant ces tots, tout ce que j'ai packé tout au long de l'année, bien évidemment, également ce que j'ai gardé au club. Et du coup les amis, on va faire ça. Et avant toute chose les amis, je vous le dis tout de suite, ce soir à partir de 18h45, 19h, allez, 18h45, je pense qu'on sera bon, on sera prêt, on sera là. J'espère qu'il y aura des packs d'ailleurs, 19h, 20h dans ces horizons-là. Comme ça, on commence direct, on attaque avec un pack opening. Gros live de 24h avec la famille sur Level Down, avec Faïz, Idriz et YoMax, moi-même. Du coup, les gars, c'est un live de 24h, mais bon, en vrai de vrai, ça va être un live de 26, 27, 28h. Le lendemain, on terminera pas à 19h, mais plutôt vers sur les coups de 22, 23h des fois. Bref, on verra. Donc, gros live de 24h, le programme, ben, je vous mets la news de Level Down, j'ai tout écrit dessus pour le programme, voilà. Et en gros, on va se séparer un petit peu, peut-être qu'on ira faire quelques siestes chacun notre tour, mais en tout cas on va aussi faire pas mal de live tous les trois ensemble. Gros live de 24h, c'est la première fois qu'on fait ça, et c'est pour vous remercier aussi les gars, parce que voilà, on est 5e streamer français et ça fait longtemps que vous vous demandez des lives de 24h. Je pense que c'est la bonne occasion avec la tots IE. Donc les gars, on va y aller crescendo, on va commencer par la fin de mon club fut, et en vrai ça va direct monter crescendo parce que vous savez très bien que moi je reçois des joueurs chaque semaine de la part de IE, les 3 meilleurs joueurs de l'équipe de la semaine, et ils se placent à la fin de mon club parce que c'est des joueurs invendables. Invendables dans le sens, tu fais une vente rapide sur eux, c'est zéro crédit. Tous ces joueurs là, c'est les joueurs que t'as des packs gratuits que tu peux pas revendre, enfin zéro crédit. Donc on va commencer tous les joueurs en gros boost ou héros ou man of the match que vous voyez ici, c'est les joueurs que IE m'envoie. Je sais que certains, voilà, ils apprécient pas, ils se disent c'est pas normal tout ça. Moi je trouve ça quand même assez logique, moi vu que je suis youtubeur FIFA, en gros je fais de la pub pour leur jeu en faisant des vidéos sur leur jeu. Je trouve ça logique qu'ils m'envoient des cartes Ultimate Team, ils m'envoient les 3 meilleurs joueurs, bah je l'ai dit de toute façon. Mais c'est vrai que je préférais quand même, au lieu de m'envoyer des cartes, qu'ils m'envoient des points FIFA, beaucoup de points FIFA même. Bon, ils m'en envoient un petit peu, hein, bon, on peut pas se plaindre, ils m'envoient 48 000 points FIFA par mois. Mais c'est déjà bien, hein. Voilà, je suis un privilégié et je suis quand même, je sais que ça peut vous faire rager certains, je suis désolé les gars, moi honnêtement, on vous donne ça à vous, vous êtes heureux, donc moi c'est ma situation, je suis vraiment heureux d'avoir toutes ces cartes, mais bon, vraiment, elles me servent à rien, la plupart elles me servent à rien. Bouffon, il est là, je l'avais packé, donc du coup, je l'ai vendu, celui que j'avais packé, et je considère que celui-là, c'est quand même un joueur que j'ai packé, même si en vrai, lui, c'est celui que IE m'a envoyé. Voilà, il y a plein de cartes, alors ouais, c'est dommage, franchement, il y en a plein, il serait affolé avec toutes ces cartes, mais en vrai, toutes ces cartes, je me sers de quasiment aucune. Après Roberto Carlos un petit peu bien sûr, il m'a envoyé 4 légendes également et 3 Totti pour tout ce qu'il m'a envoyé cette année, IE, ainsi que les 3 meilleurs joueurs de l'équipe de la semaine. Donc regardez un petit peu, Julie, c'est n'importe quoi, franchement c'est un club de fou. Regarde, je peux taper des vraies ventes rapides sur regardez par exemple sur qui, sur Ibrahimovic 92 man of the match, gros j'ai le 93, je peux taper une vente rapide dessus, je m'en fous, c'est n'importe quoi. Regarde même le Suarez 93, je peux faire une vente rapide, même le 95 je peux faire une vente rapide, même le 97 je peux faire une vente rapide. Bon après je vais pas peut-être faire de vente rapide sur Neymar 97, Ronaldo 98, Messi 99. Peut-être je ferai la vente rapide sur le Ronaldo 98 quand je vais packer le 99 cette semaine, on sait pas. Mais voilà, moi voilà, tous ces joueurs là ils me servent plus à rien les gars. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé vous les donner les gars, honnêtement, mais je peux pas, j'ai pas le droit de le faire. Mais franchement moi je m'en fous de les donner, les Suarez 87 tout ça, ce serait un plaisir de donner tous ces joueurs là les gars qui me servent à rien. Après il y en a 2-3 qui me servent quand même dans le lot, hein, un peu. Il me sert tout le temps. Bref, donc là on va arriver du coup avec le Messi 99. C'est la fin de tout ce que IE m'a envoyé. On va arriver sur tout ce que j'ai packé maintenant pendant l'année, donc surtout pendant les tots, parce que bien sûr j'ai revendu des joueurs et tout. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour garder un petit souvenir de tout ce que j'ai packé. Donc Ronaldo, on l'a packé 2 fois pendant les tots. Il est là le premier détenteur, donc je vous assure que tout ça les gars c'est premier détenteur. Donc la plupart de ces joueurs en fait je vais les vendre pour pouvoir packer pendant la tots IE. Du coup voilà, je voulais faire allez un petit au revoir à tous ces joueurs là. Mais, des joueurs que je vais garder, pas tous bien sûr, mais il y en a pas mal que je vais garder, mais c'est pas vraiment dans cette page, hein. Premier détenteur partout les gars, on peut faire des trucs comme ça si vous voulez, c'est n'importe quoi. Après voilà, ça c'est pas les gros tots,
Mais les gros tots, vous avez vu les vidéos, vous savez que j'en ai paqué pas mal. Alors, j'ai pas tout posté dans mes vidéos, c'est pour ça qu'il y en a, vous avez pas vu en vidéo que je les ai paqués. Mais, et aussi, il y a également des joueurs que j'ai paqués sur les comptes de Idriss, tout ça. Donc, je compte, c'est pas sur mon compte, mais sur mon compte, franchement, je suis bien gâté, les gars. Donc, voilà, du Umtiti, du Morgan. Et je disais, ouais, vous avez pas tout vu en vidéo, notamment, il va avoir un Ben Arfa 90. Je l'ai pas mis en vidéo, mais je l'ai paqué également. Je peux vous montrer de toute manière, premier détenteur de partout. C'est n'importe quoi. Je vais leur dire adieu à tout ça. Et je suis content, parce que je vais récupérer pas mal de crédits, honnêtement. Bouffon, lui, peut-être que je vais le garder, honnêtement, avec ouais, une équipe avec Ben Arfa et tout dedans, Guardado, les gars, c'est n'importe quoi. Je voulais vous montrer tout premier détenteur, bien sûr, comment on fait comme ça. Ouais, c'est n'importe quoi. Et là, on arrive dans le top 10, dans le top 20, là. Franchement, il y a des gros joueurs, là. Le Douglas Costa, j'ai pété un plomb quand je l'ai paqué. Le Marcelo Totti à l'ancienne. Ben Arfa 90, Barzagli, Payet, Ben Arfa. Voilà, je peux vous montrer premier détenteur, les gars. C'est n'importe quoi, Mandanda. Je suis déçu, hein, des gardiens 91. C'est des super stats, un super gardien. Ils se vendent à moins de 50 000 crédits. Je suis quand même choqué, les gars. On arrive dans le top 10, là. Dans cette page-là, au début de la page, là, on arrive dans le top 10. Aduriz, Jonas. Je crois que je vais le garder, Jonas. Aduriz, je pense pas. Mais Jonas, je vais le garder. Il faut vraiment que je me fasse une brésilienne et que je le mette en BU, lui. Il a 97 de tir. Ça, c'est le genre de joueur que je vais kiffer, mettre des longs shots avec. Alves, que j'avais paqué. C'était le seul que j'avais paqué pendant les Totti. J'avais pas fait de vidéo. Je l'avais paqué sur l'appli web, je crois. Donc voilà, Alves. Ensuite, Hummel, vous avez vu deux fois, je crois, Hummel, Modric avec la famille, Idriss, JB, Faïz. C'était, oh, ça c'était une bonne vidéo. Ah, franchement, on a fait des bonnes vidéos. Évidemment, vous verrez pas le Messi. Le Messi, il est sur le compte d'Idriss avec le Griezmann. Ça, franchement, je pense actuellement, ça doit être la meilleure vidéo de ma chaîne. Elle date d'il y a même pas deux semaines. À ceux qui l'ont pas vu, Messi et Griezmann dans le même pack. La meilleure réaction du YouTube game, la tête. Franchement, c'était pas n'importe quoi, les gars. Ramos 94, ça c'était le premier Totti que j'avais paqué. Benzema 95, Iniesta 95. Lui, par contre, lui, j'ai un acheté. Lui, je vais pas vous mentir. Lui, je l'ai acheté, Iniesta 95. Neuer 96, 602 000 crédits. Je l'avais acheté également. Et là, tout ce qui est là, c'est paqué. Là, en fait, c'est là le top 10. Avec Carvajal qui est évidemment un prêt, donc on s'en fout. Le top 10, il est là. Suarez. Le plus gros joueur que j'ai paqué. Il vaut actuellement environ 2 millions de crédits. Je ne le lâcherai pas. C'est mon buteur. C'est mon buteur. C'est Suarez 98. Ah, franchement, comment j'étais affolé quand je l'ai paqué. J'ai failli me faire défoncer par le papa. Bah, vous avez vu la vidéo, je pense, avec la Reseu. Et également, bah, c'est 7 ou 8 légendes. Alors, attends, on va compter. 4, 5, 6, 7, 8 légendes. J'ai paqué 8 légendes. Lui, je l'avais acheté. Je l'ai revendu, frère. Parce que je l'ai paqué. Frère, ils sont tous un premier détenteur. Comment c'est possible? J'avais paqué 0 légende, 0 Ronaldo de toute ma carrière FIFA. Cette année, j'ai paqué tout ça. Ah oui, oui, c'est n'importe quoi. Donc voilà, les gars, c'était pour vous présenter mon club. Putain, des Mataos, des Baresi, paquet Mataos. Ouais, franchement, l'objectif, honnêtement, j'aimerais bien paquer Godin et Ronaldo parce que ça me ferait avoir la meilleure équipe du jeu à égalité avec plein d'autres personnes. Ronaldo et Godin. Et également les légendes, hein. J'aimerais bien un paquet un Gullit, ce serait magnifique. Même si je l'ai déjà, juste c'est magnifique paquet un Gullit et surtout un Pelé. Ah ouais, Pelé là, c'est juste pour les crédits, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est pour les crédits. Voilà, franchement, c'est n'importe quoi. Putain, on a de la chatte cette année, c'est un truc de fou. Je voulais juste faire une vidéo pour leur dire adieu. On va en paquer encore peut-être quelques-uns cette semaine, des tots, mais ce sera des gros tots du coup, vu que c'est la tots y est. Mais tout cela, les gars, franchement, partez du club, ça y est, je ne veux plus de vous. Ronaldo aussi, j'ai paqué Ronaldo deux fois, t'imagines, en deux semaines, paqué Ronaldo deux fois. Et du coup, l'équipe, pour le moment, hein, c'est pas l'équipe définitive, l'équipe avec laquelle je vais affronter Benz, ça va être celle-ci, les amis. Donc, Suarez 98, lui aussi, il a une équipe premier détenteur, c'est pour ça que je vais l'affronter, les gars. Douglas Costa, Ronaldo 93, il faut que je parque le 99. Franchement, regardez, ça, c'est une équipe uniquement premier détenteur, c'est n'importe quoi. Donc, Pogba, pareil, lui, c'est celui que IE m'a envoyé, mais on l'a paqué avec Idriss et Faïz, donc voilà, donc... compte que c'est un premier détenteur quand même, les gars. Croyez pas, hein, maintenant, ça y est, on est riche, on a des joueurs de fou, on pack des joueurs de fou, mais on a connu la galère, vous inquiétez pas, j'ai connu la galère. C'est vrai que ça va un peu mieux maintenant, hein. Non, voilà, les gars, cette vidéo, c'est vraiment pas pour me la péter, les gars, je suis juste content, et un petit souvenir, je te jure, tous les tots que j'ai paqués, je sais pas combien, j'ai dû en paquer... Franchement, on doit être pas loin de 200 tots paquets, hein, sur tous les comptes sur lesquels on a paqué. Franchement, on doit pas être loin de 200. Alors oui, ça coûte des sous, les amis, mais je vais le répéter une dernière fois. C'est entre guillemets, c'est mon métier, en fait, YouTube, faire des vidéos YouTube. Et moi, je kiffe faire ça. Alors, je fais pas ça parce que ça fait des vues ou quoi. Je kiffe faire des pack openings, j'ai toujours kiffé faire ça. J'avais moins de chance avant, maintenant j'en ai. Alors en plus, j'ai de la chance, frère, je kiffe faire ça. Alors oui, j'investis. Oui, il y a des partenaires qui me donnent des sous. Il y a même EA qui m'envoie 48 000 points FIFA par mois. Mais...
vous croyez pas que je mets pas d'argent de ma poche, je mets des sous de ma poche. C'est voilà, chacun a ses petites folies. Ben moi ma folie c'est de mettre des sous dans ce jeu qui m'a coûté certainement 30-40 fois plus cher que ce que je l'ai acheté, frère. FIFA c'est le jeu qui te coûte le plus cher en fait. C'est pas le jeu qui te coûte cher, c'est après en fait, dans le jeu Ultimate Team. Eh franchement c'est une addiction ce jeu, je te jure. Bon maintenant il va peut-être falloir proposer un petit peu de gameplay. Ça a rien d'avoir des joueurs comme ça si tu les testes pas. Donc vous inquiétez pas, vidéo contre Benz. Et il y aura plein de vidéos gameplay hein. Maintenant après les pack opening, après cette semaine les gars c'est terminé. Honnêtement il y en aura de temps en temps bien sûr, mais beaucoup moins, il y aura vraiment du gameplay, des concepts intéressants je l'espère. Donc les gars ne vous inquiétez pas, mais voilà. Cette année franchement, les pack opening c'est n'importe quoi. J'espère vous retrouver la semaine prochaine avec les joueurs qui me manquent. Franchement, je vais vous montrer les joueurs qui me manquent. Voilà, en gros, il me manque Ronaldo et Godin pour avoir un très très joli 197, les gars. Sachant que là, il y a 97 de collectif parce qu'il est MOC. Si je le mets AT, je crois qu'on passe à 100 de collectif pour le Pelé. Donc voilà, il me manque juste ces deux joueurs-là. C'est mon objectif. Donc voilà, les gars. J'espère vraiment que cette vidéo, vous la prenez cool, hein, que vous la prenez pas mal, le gars qui se la pète ou quoi. Non. Bye bye tous les tots que j'ai packés qui me servent à rien. Bye bye les gars. Je vais récupérer des crédits, je vais packer à mort cette semaine. J'espère vous faire kiffer comme d'hab les gars. Et surtout bah, vraiment le but de cette vidéo aussi, c'était bon, parler un petit peu 10-15 minutes, je sais pas combien de temps ça va durer. Et surtout vous annoncer que là à 19h, je sais pas quand elle sortira la vidéo, mais elle sortira le jour du live de 24h. On commence vers 19h, le live 24h sur Level Down Yomax 38 avec la MIF. On va jouer à plusieurs jeux, FIFA, Uncharted, Overwatch, on va faire du poker, on peut jouer aussi à d'autres jeux, je sais pas quoi. Bref, on verra, on va s'amuser, j'espère, pendant plus de 24 heures du coup. J'espère que vous kifferez les gars et rejoignez-nous en live du coup. Et merci, franchement merci les gars. On a dépassé 500 000 abonnés cette semaine, on est déjà à 510 000. C'est n'importe quoi. Big up la famille, passez une bonne soirée avec nous en live, je l'espère. Ciao les gars. Let's go.